Mercredi 29 décembre 2021, bienvenue aux informations de la mi-journée. Le chef de l'État, Patrice Talon, était ce matin face aux parlementaires pour son message sur l'état de la nation. Les temps forts de son intervention dans cette édition. À suivre également les appréciations de quelques acteurs de l'opposition sur le discours du président de la République sur l'état de la nation. En page magazine, on s'intéresse au rituel du Tofa et les sacrifices en fin d'année. J'ai les raisons qui sous-tendent ces pratiques. En fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, a reçu respectivement en audience ce mardi le représentant permanent du Bénin auprès de l'Union africaine et de la République d'Éthiopie, Hervé Diokpé, et l'ambassadeur du Bénin en Arabie Saoudite, Adam Bagoudou. La vice-présidente leur a prodigué quelques sages conseils en vue de la réussite de leur mission. Nous vous invitons à suivre les interventions de ces deux personnalités à leur sortie d'audience. Madame la vice-présidente, elle m'a émerveillé. Elle m'émerveillait depuis, mais encore plus aujourd'hui. Et elle m'a prodigué de sages conseils, elle a fait des prières, elle m'a donné des orientations pour que le Bénin, la présidente du Bénin, s'affirme, et comme le veut le chef de l'État à Addis Abeba. Au niveau de l'Union africaine, d'abord, le PAG2 inscrit la diplomatie comme un instrument de développement. Et nous allons œuvrer pour un meilleur rayonnement de l'État du Bénin au niveau africain, au niveau de l'Union africaine. Et ce rayonnement va se traduit par un meilleur positionnement des cadres béninois dans les instances internationales. Il y en a suffisamment. Les instances inter-africaines, il y en a suffisamment à Addis Abeba. On a échangé sur les questions d'actualité à la fois nationale et internationale. Elle a marqué un intérêt particulier à tout ce qui touche le rapport entre le Bénin et l'Arabie Saoudite et a souhaité que nous puissions travailler à consolider les acquis des différents chantiers qui sont en cours. Dans le cadre de cette coopération, travailler à consolider ses acquis. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts dans plusieurs secteurs. Elle a souhaité, m'a exhorté à poursuivre, à faire le suivi, faire en sorte que tout ce qui était en cours puisse aller à terme et que de nouveaux chantiers puissent s'ouvrir rapidement pour le bien de notre pays. Puisque le poste est un poste mixte, bilatéral et multilatéral. Elle est revenue aussi sur la question de l'OCI qui est un puissant instrument de développement avec le bras financier qui est la Banque islamique. Comme il y a beaucoup de projets en cours dans le pays que la BIDA a financé, donc elle a exhorté à ce que nous puissions travailler dans toutes ces directions afin de permettre à notre pays de tirer le meilleur profit. Et cela. Davantage de améliorer le positionnement de notre pays à l'extérieur. L'image est très bonne. Il faut continuer à maintenir le cap. Je vous dis simplement que c'est une audience assez fructueuse, dans une ambiance assez détendue. Il faut dire qu'avant de se rendre chez la vice-présidente de la République, le nouvel ambassadeur du Bénin près le royaume de l'Arabie Saoudite a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Fifame Diogbenou. Adam Bagoudou est allé recueillir les conseils du président de la haute juridiction. On l'écoute à la sortie d'audience. Je suis venu ce matin faire une visite de courtoisie à M. le président de la Cour constitutionnelle. Comme il est d'usage, après la nomination, avant d'aller prendre ses fonctions, il fallait faire cette visite protocolaire. Donc, c'est donc une audience qu'il y a dans le cadre des usages. Et donc, je suis venu me présenter au président de la Cour constitutionnelle et nous avons profité pour faire, dans toutes les raisons, des questions d'actualité, de relations internationales. Je peux vous assurer que le président a été très enrichissant, une ambiance cordiale. Le président de la Cour constitutionnelle m'a posé beaucoup de conseils. Il m'a enrichi avec sa lecture des nouveaux enjeux des relations internationales. Il a parlé avec moi tout ce qu'il a comme expérience en termes d'approche et d'analyse de ces questions. Et j'ai été émerveillé par son approche des questions, surtout les nouveaux enjeux de la diplomatie. Et je repars donc assez reconforté, assez enrichi. Le premier moyen, c'est d'avoir la volonté politique
et la tonalité est donnée par le chef de l'État. Et vous souviendrez que le chef de l'État a fait une visite dans, dans le pays il y a 3 ou 4 ans, et donc il faut un peu donner un coup d'accélérateur. Ce déplacement déjà en soi montre que c'est une nouvelle marque, une nouvelle dynamique qui est ainsi lancée pour rassurer les partenaires saoudiens de ce que le Bénin est disponible. Et le chef de l'État en donnant donc cette orientation ne fait que de nous tracer la voie, nous orienter, nous dire comment il faut faire désormais, comment il faut marquer l'intérêt de notre pays pour cette région et susciter l'intérêt de l'Arabie saoudite pour le Bénin aussi. Autre élément dans ce journal, un élément qui s'intéresse au rituel du Tofa et les sacrifices en fin d'année. Les avantages et les raisons qui sous-tendent ces pratiques dans ce reportage de Stanislas Benoupoamoa. À Abomey le samedi 11 décembre 2021, les têtes couronnées, prêtres du Fa, devins et les gardiens de la tradition dans leur ensemble se sont réunis autour des prévisions de la nouvelle année 2022 qui s'annonce. Divers sacrifices sont souvent observés à cette occasion, mais quelle est leur importance et quelle explication pourrait-on en donner? Quand on s'approche en fait de la fin d'une année, on sait que la Terre a fait un tour autour d'elle-même et autour du Soleil pendant 361 jours un quart. Et particulièrement vers la fin d'année, il y a, ce sont des périodes un peu à risque où certaines entités un peu négatives commencent par se manifester. Et du coup, pour se protéger davantage, toutes les religions, tous les courants philosophiques ou spirituels font ces sacrifices. C'est pour ça, dans l'église, vous voyez qu'on fait une messe du 31 décembre au 1er janvier. Dans aussi les religions endogènes, ils font aussi des cérémonies pendant en fait cette période. Donc aujourd'hui, les gens le font d'abord pour se protéger des maladies et des mauvais sorts. Les gens le font pour renforcer leur lien avec leur divin. Les gens le font également pour espérer s'attirer dans la nouvelle année assez de bonnes choses, assez de prospérité en réalité. La cérémonie consacrée au Tofa rassemble chaque année du monde. Les Béninois ne sont pas souvent unanimes sur les révélations de ce rituel, chacun selon son obédience religieuse. Pour 2022, une stabilité globale est envisagée, mais il faudra faire attention. L'année 2022, le signe principal est Wenkoche. Wenkoche est un signe qui n'est pas d'ailleurs trop mal, c'est un signe qui est bon, c'est un signe du bonheur, de prospérité, mais il y a ces mains-là. Wenkoche nous exhorte à faire la paix, à avoir l'harmonie dans nos foyers d'abord, dans nos familles. Et cette paix dont il s'agit doit s'étendre jusqu'aux dirigeants, jusqu'aux chefs de l'État et au gouvernement. Et la paix, l'harmonie, l'entente entre nous va nous amener au développement, va nous amener à taire beaucoup de choses qui dérangent la quiétude ou bien la paix chez nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison. La maladie du pied sera partout dans ce pays. Parce qu'on est coaché à parler du maladie du pied. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison à cause de leurs mauvaises pratiques. La notion de sacrifice est partagée par différents courants religieux dans notre pays, ce qui ne date pas d'aujourd'hui. Le socio-anthropologue donne plus de précisions. On se souvient également du sacrifice et des sacrifices que le Christ a demandé, par exemple, aux riches qui lui avaient posé la question de savoir comment est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour aller dans le royaume des cieux. Et il lui avait répondu qu'il faut obéir à respecter tous les commandements. Le monsieur, le riche, avait dit qu'il l'avait fait et le Christ lui a dit « Vends tout tes biens et suis-moi ». C'est le sacrifice que le Christ lui a demandé et du coup il a été surpris. Donc dans toute l'histoire des religions, on voit la notion de sacrifice partout. Les signes de Tofa recommandent des sacrifices à faire au nom de la nation et cette fois des recommandations sont faites pour
pour conjurer le mauvais sort? C'est d'abord les sacrifices de conscience. Les sacrifices de conscience. Que les fils du pays respectent les lois et que les devanciers, les chefs aussi respectent les enfants du pays. Maintenant, les sacrifices réels à faire, et nous devons conjurer les sorts par rapport aux divinités Sakpata, la terre, et ne pas manger le mélange des grains, par exemple du riz et du haricot mélangés. Et nous devons faire aussi, nous devons éviter aussi de manger les animaux qui n'ont pas de tête, des crabes par exemple, des portunes, les animaux qui n'ont pas de tête. Le rituel du tofa et les sacrifices de fin d'année sont diversement appréciés par les Béninois. Les têtes couronnées, quant à elles, en démontrent tout l'intérêt pour la nation. Je vous le disais en titre, conformément à l'article 112 de la Constitution béninoise, le chef de l'État a présenté ce mercredi 29 décembre 2021 devant les parlementaires son discours sur l'état de la nation. Il a mis un accent particulier sur les défis sécuritaires et sanitaires à relever, de même que les actions concrètes à entreprendre dans les tout prochains jours pour faire face aux menaces terroristes et à la pandémie de la COVID-19. Le récit de Stélia Padono. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, dit-on. Face à la montée galopante de la menace terroriste au Bénin, le président de la République, Patrice Talon, entend renforcer la coopération avec les pays voisins à l'assaut des menaces djihadistes, mais aussi le dispositif sécuritaire du pays. Nous avons régulièrement procédé à des interpellations justifiées. Cependant, malgré nos précautions, nous avons été éprouvés à plusieurs reprises ces derniers temps, ces derniers jours. Mûs par notre nouvel état d'esprit, nous serons à l'avenir encore plus déterminés et plus vigilants. À cet égard, le gouvernement prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistique que technologique, afin que ce genre d'incursion sur nos territoires ne puisse continuer. Vous l'aurez compris, les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité seront considérablement renforcées. Les moyens leur seront donnés à suffisance pour leur permettre d'assurer la protection optimale du pays tout entier, de sorte que, même dans leur propre rang, il n'y ait plus d'autres victimes. Dans la même logique, la coopération avec les pays limitrophes sera accrue pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte. La maîtrise de la pandémie de la COVID-19 constitue pour Patrice Talon le second défi majeur à relever. Il a par ailleurs exhorté les acteurs à divers niveaux à jouer leur partition. Notre devoir en tant que dirigeants, c'est de rassurer nos concitoyens, c'est de ne pas les laisser à la merci des courants complotistes qui prospèrent sur l'ignorance et la peur des populations. Notre devoir, dans ces conditions, c'est de leur dire que les vaccins restent leur seule solution objective pour venir à bout de la pandémie. Et notre pays doit relever sensiblement son taux de vaccination comme de nombreux autres pays l'ont déjà fait. C'est la seule manière de revenir à une vie normale. Le Bénin doit jouer sa partition pour le recul de ce mal. À défaut, soit nous serons stigmatisés, isolés, soit le chèque sera universel. Et la vie sera de plus en plus difficile, encore plus difficile pour les uns et les autres. Le Bénin doit jouer sa partition. Et nos dirigeants, vous et nous, devons tout faire pour que
cette partie du monde qu'est le Bénin contribue efficacement à la lutte contre la pandémie. À ce pupitre, le président de la République a redit à la représentation nationale qu'il ne cédera pas de mandat. Il a profité de l'occasion pour réaffirmer son désir de redorer le blason du Bénin dès la fin de son quinquennat. C'est le tout premier, mon tout premier discours sur l'état de la nation en ce qui concerne mon second mandat. Je n'ai pas dit le deuxième, le second. Vous comprenez quelle est ma détermination pour faire en sorte que l'élan de ce qui a commencé ne s'essouffle. Pour faire en sorte que dans tous les domaines de vie, aussi bien ce qui concerne nos besoins essentiels de base, comme l'eau, l'électricité, les infrastructures routières, la santé, l'école, nous allions le plus loin possible afin que plus jamais cela ne figure dans les revendications, dans les requêtes de nos concitoyens. Mais ce que nous ferons et qui permettra à notre pays, à nos concitoyens, de constater qu'au-delà des infrastructures de survie, ils peuvent mieux vivre, c'est investir pour améliorer le quotidien de chacun, notamment dans son assiette. Pour finir, Patrice Talon a invité les populations à maintenir tout simplement le cap. Nous allons œuvrer de sorte qu'il y ait de plus en plus d'emplois pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos seniors qui malheureusement ont passé leur vie à espérer avoir un emploi. Le temps qui nous reste pour ce second quinquennat sera suffisant pour impulser tout cela et donner désormais à notre pays une réponse positive, un espoir, enfin, que notre pays est dans nos mains, que notre destin est dans nos mains et que, au Bénin, il commence à faire bon vivre. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les députés, cela est à notre portée, n'est-ce pas? C'est bien notre challenge le plus passionnant. Nous y tenons, nous y arriverons. Nous venons de loin, comme on l'a déjà dit, mais nous irons le plus loin possible. Parce que notre état d'esprit le permet désormais. Unis, nous sommes capables de relever ce défi. Les leaders de l'opposition ont également suivi avec attention le discours du chef de l'État. C'est le cas de Eugène Azatasou du parti Les Démocrates qui pense que c'est un discours d'autosatisfaction. Suivez. Sincèrement, je ne vois rien que je puisse retenir de ce discours sur l'état de la nation. Vous voyez par exemple, il y a seulement quelques jours, il y a eu des procès dans ce pays et ces procès sont encore en cours certainement parce qu'il y a beaucoup d'autres qui sont des détenus et qui sont pris dans le cadre des élections ou d'autres cadres et que nous appelons des détenus politiques. Bon, ça n'a pas retenu l'attention du président de la République comme une situation de la nation qui aurait pu préoccuper. Et puis on est dans ce monde-là où chacun vit les affres de cette gouvernance, les clivages, les scissures qu'il y a, les césures qu'il y a au sein de la nation, ce qui a conduit à un certain nombre de problèmes. Tout ça est balayé du revers de la main. Donc le problème, c'est que ça m'aurait intéressé que ce soit un discours de remise en cause au moins un tout petit peu. Tant que je ne perçois pas ces choses-là, eh bien, moi, je ne peux pas être rassuré. Parce que si la situation est comme ça et que vous ne vous reprochez rien, et que tout est beau, tout est fixe, bon, donc c'est en avant-marche. J'ai trouvé un discours d'autosatisfaction, comme d'habitude. C'est-à-dire que tout est bien dans le Bénin ici. Ça me rappelle un des points d'introduction du président de l'Assemblée nationale, qui situe l'Assemblée nationale comme le centre, le cœur
de la démocratie. Et si le cœur de la démocratie au Bénin est comme ça, c'est-à-dire qu'un cœur qui devrait refléter la diversité des opinions dans le pays est comme ça, où il n'y a qu'une seule opinion, et le président de l'Assemblée nationale est fier de proclamer à la face du monde que c'est le cœur de la démocratie, vous voyez bien ce que ça donne. C'est-à-dire que c'est un discours dont le décor est l'autosatisfaction, dont le contenu est de l'autosatisfaction. Bon, effectivement, il a fallu quand même reconnaître des problèmes, notamment la cherté de la vie. Seulement, on a un bouc émissaire tout trouvé, c'est la pandémie. Un extrait proposé par Aziz Adam Souli. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Encore quelques jours et les pages de l'année 2021 seront définitivement tournées. Mais avant, les préparatifs vont bon train dans les différents ménages. Une de nos équipes s'est penchée sur le cas des personnes en détention et pensionnaires des centres de psychiatrie. Les démarches n'ont point abouti. Stélia Padounou. D'ici quelques heures, 2021 fera place à 2022. Dans les ménages, l'heure est à la préparation du nouvel an. Les marchés grouillent de monde. En clair, tout le monde s'active pour passer d'agréables moments de fête. Dans ce contexte, votre rédaction est allée s'imprégner du niveau de préparation du nouvel an au sein des maisons d'arrêt de Cotonou et de Parakou et du Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou. À la prison civile de Parakou, interdiction formelle nous a été faite de filmer quoi que ce soit et de prendre des interviews. Toutefois, nos reporters ont été reçus par le régisseur de la prison civile qui leur a d'ailleurs confié en caméra que rien n'est prévu pour les prisonniers. À Cotonou, nos tentatives pour échanger en tête-à-tête avec le directeur de l'agence pénitentiaire ont été vaines. Même cas de figure avec le directeur du centre psychiatrique, Djako. Joint au téléphone, il fait part de son occupation ces jours-ci, mais n'a pas voulu réagir sur le sujet. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche Fonsa. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETL en direct, notre compte Twitter ETL Live, notre chaîne YouTube ETL Benin et en direct via notre application iOS et Android ETL Benin. ETL avec vous, pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h. À bientôt.